Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le concept de renversement d'un accord. Pour une meilleure compréhension de cette vidéo, n'hésitez pas à visionner ou revisionner notre vidéo numéro 6 sur les 12 accords parfaits majeurs, notre vidéo 7 sur les 12 accords parfaits mineurs, et aussi notre vidéo 8 sur les 12 accords de septième de dominante. Mais commençons tout d'abord par l'accord parfait majeur, qui dans sa forme théorique est généralement représenté dans le cadre restreint d'une octave. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo 6, l'accord parfait majeur se compose d'un ensemble de trois notes, dont chacune occupe une fonction harmonique bien spécifique. Le degré 1, c'est-à-dire la fondamentale, le degré 3 et le degré 5. Cet accord peut être vu aussi comme la réunion de trois voix distinctes. À retenir, un accord de trois notes est appelé une triade. Voici le symbole utilisé couramment pour représenter l'accord parfait de Do majeur. Cette position se nomme l'état fondamental de l'accord majeur de Do, lorsque justement la fondamentale est la note la plus grave de l'accord. Si nous déplaçons à présent cette fondamentale à l'aigu, l'ordre spatial de cet accord s'en trouve modifié. La fondamentale de l'accord se trouve désormais à l'aigu. Voici le symbole utilisé couramment pour représenter précisément cet accord. Mais prenons un instant pour entrer plus en détail dans la logique de cette notation. À gauche, la lettre C définit précisément l'accord concerné. Il s'agit ici de la triade de Do majeur. La barre oblique, quant à elle, signifie « à la basse ». Et enfin, la lettre qui suit à droite définit quelle note doit être jouée à la basse. Ici, il s'agit d'un Mi. Pour résumer, cette notation indique qu'il s'agit de l'accord parfait majeur de Do ayant un Mi à la basse. Cette position se nomme le premier renversement de l'accord majeur de Do. En déplaçant à présent le degré 3 à l'octave, nous modifions à nouveau l'ordre spatial de l'accord. Le degré 5 se trouve cette fois à la basse. Le symbole utilisé couramment pour représenter précisément cet accord est Do basse sol. Cette position se nomme le second renversement de l'accord parfait majeur de Do. Si maintenant nous déplaçons le degré 5 à l'octave, nous retrouvons en fait l'accord dans sa position originelle, c'est-à-dire son état fondamental de départ, mais cette fois une octave plus haut. Ainsi, bien que chaque renversement crée un agencement spatial différent, sur le plan primaire de l'harmonie, il s'agit toujours du seul et même unique accord. Cette logique de renversement que nous venons d'exposer à partir de l'accord parfait majeur est valable en fait pour n'importe quel accord. Si nous étudions maintenant l'accord parfait mineur, nous pouvons observer les mêmes principes que dans le cas de l'accord parfait majeur. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo 7, l'accord parfait mineur est composé d'une fondamentale, le degré 1, du degré 3 bémol et du degré 5. Voici le symbole utilisé couramment pour représenter précisément cet accord parfait mineur de Do. Cette position se nomme l'état fondamental de l'accord parfait mineur de Do. Si nous déplaçons à présent la fondamentale de l'accord à l'octave, nous modifions de nouveau l'ordre spatial de l'accord. Le symbole utilisé couramment pour représenter précisément cet accord est Do mineur basse Mi bémol. Cette position se nomme le premier renversement de l'accord parfait mineur de Do. Si nous déplaçons maintenant le degré 3 bémol à l'octave, l'ordre spatial est de nouveau modifié. Le symbole utilisé couramment pour représenter avec précision cet accord est Do mineur basse Sol. Cette position se nomme le second renversement de l'accord parfait mineur de Do. Et enfin, si nous déplaçons le cinquième degré à l'octave, nous revenons à la position de départ de l'accord parfait mineur, c'est-à-dire son état fondamental, mais une octave plus haut. Prenons à présent le cas de l'accord de septième de dominante. Le principe sera le même. Simplement ici, il s'agit d'un accord constitué de 4 notes, et en conséquence, cet accord va avoir 4 positions spatiales possibles.
Comme nous l'avons vu dans notre vidéo 8, l'accord de septième de dominante contient une fondamentale, le degré 1, le degré 3, le degré 5 et le degré 7 bémol. Cet accord peut être vu aussi comme la réunion de quatre voix distinctes. À retenir, un accord de quatre notes s'appelle une tétrade. Voici le symbole utilisé couramment pour représenter cet accord. Cette position se nomme l'état fondamental de l'accord de septième de dominante de Do. Si nous déplaçons à présent la fondamentale à l'octave, l'ordre spatial de l'accord est modifié. Le symbole utilisé couramment pour représenter précisément cet accord est alors Do7 bas-mi. Il s'agit du premier renversement de l'accord de septième de dominante de Do. Si cette fois nous déplaçons le degré 3 à l'octave, nous modifions encore l'ordre spatial de l'accord. Le symbole utilisé couramment pour représenter précisément cet accord est Do7 bas-sol. Cette position se nomme le second renversement de l'accord de septième de dominante de Do. Si cette fois nous déplaçons le degré 5 à l'octave, l'ordre spatial est encore modifié. Le symbole utilisé couramment pour représenter précisément cet accord est Do7 bas si bémol. Cette position se nomme le troisième renversement de l'accord de septième de dominante de Do. Et si enfin nous déplaçons le degré 7 bémol à l'octave, nous retrouvons la position de départ de l'accord, c'est-à-dire son état fondamental, mais une octave plus haut. Avec le concept de renversement d'accord, nous entrons dans un domaine beaucoup plus subtil et avancé de la façon dont nous pouvons nous représenter un accord. Un accord est avant tout une addition de notes ayant toute une fonction harmonique spécifique par rapport à sa fondamentale. Les différents agencements d'un accord dans l'espace musical ont le pouvoir de transformer la perception de l'accord sans pour autant modifier le sens initial de l'accord du point de vue harmonique. Notre prochaine vidéo traitera d'un sujet important, la cadence plagale et la cadence parfaite. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous est précieux.